Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo du dimanche. Cette vidéo aujourd'hui m'a été suggérée par bon nombre d'entre vous et je vous avoue que ce sujet m'intrigue également. Nous allons parler de Marwan Berhini, l'acteur de Plus belle la vie qui est porté disparu depuis déjà un bon moment suite à un accident qu'il aurait, puisque nous n'avons pas de preuves, commis en sortie de boîte de nuit en renversant une dame qui promenait son chien. Donc aujourd'hui, nous n'avons absolument pas de preuves que c'est bien lui qui conduisait ce véhicule, même si habituellement, il semblerait que c'était une voiture qu'il utilisait. Nous n'avons absolument plus de nouvelles de cet acteur. Nous ne savons absolument pas ce qu'il est devenu, ce qui s'est passé après cette soirée. Beaucoup pensaient qu'il était parti s'abriter, se cacher, peut-être dans son pays d'origine ou ailleurs. Et pour l'instant, nous n'en savons vraiment pas plus. Donc, ce ne sont que des allégations qui sont communiquées au travers de la presse et au niveau de l'enquête. Alors, il se peut que cet acteur ait eu un autre type de problème, puisque nous avons appris que son frère s'était suicidé aux alentours de la date de sa disparition et que l'acteur n'avait pas forcément le moral à ce moment-là. Donc il peut être également intéressant de s'inquiéter aussi du sort de l'acteur parce qu'il se pourrait que celui-ci ait été, pourquoi pas, kidnappé ou pourquoi celui-ci ne serait-il pas, malheureusement, du fait de son moral en berne, dans une situation de détresse que vous comprendrez aisément. Sachant que Plus belle la vie est une série dans laquelle il joue depuis très longtemps et que nous avons tous appris que la série serait produite sur TF1 et non plus sur la 3 et que ce monsieur était bien prévu au casting. D'ailleurs, les personnes qui rédigent les épisodes de Plus belle la vie ont été très ennuyées de son absence. Il a fallu réécrire les scripts pour pouvoir adapter ceci à l'absence de Marwan, qui n'était évidemment pas prévu. Donc l'objectif de ce tirage, vous l'aurez compris, est d'arriver peut-être à avoir des éléments concernant le départ de Marwan, savoir comment il se porte aujourd'hui, et ce premier tirage du jeu de haut est là pour nous indiquer un peu la dernière journée durant laquelle il a été vu, savoir comment ça se passait pour lui, comment il se sentait lors de cette dernière journée où il a été vu à Lons-le-Saulnier. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de disparition concernant des personnalités publiques célèbres, dans la mesure où on peut imaginer que si celui-ci avait pris un moyen de transport commun, genre un bateau ou un avion, il y aurait une trace au niveau de son passeport, du passage de frontière. Mais si celui-ci était parti de son plein gré, peut-être qu'il n'aurait pas abandonné sa voiture en plein milieu de la route de cette façon. Peut-être que celui-ci aurait laissé des affaires à l'intérieur ou je ne sais pas. Pour moi, ça me paraît vraiment très étonnant. Donc, on va regarder. Ok, bon, bah écoutez, on a caché tout de suite avec de l'argent. Donc, voilà. Je crois que l'interprétation est inutile. On a une orientation... voilà, je ne sais plus ce qu'on peut dire ou pas ce mot sur YouTube, alors je le laisse. Mais avec un stop, je connais pas du tout sa vie personnelle. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui avait des relations avec des hommes. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé à ce niveau-là. Il y a des personnes qui ont voulu mettre un stop, une certaine autorité là-dedans. Il y a eu de la corruption, hein. On a caché contre de l'argent. Là, il y a la colère. Et le parc qui s'ouvre. Donc on peut complètement penser que c'est quelqu'un qui se sentait complètement enfermé, qui avait peut-être besoin en fait de sortir d'une certaine situation et de pouvoir se retrouver tel qu'il était. Pour moi, j'ai vraiment la sensation déjà avec ces quelques cartes
d'une personnalité qui devait se voiler la face, en tout cas ne pas pouvoir être lui-même, et ceci commençait à lui peser vraiment. Alors je suis très loin de ce que j'imaginais au départ. On a la disgrâce qui en suit. La disgrâce familiale, hein, le père et le fils, là. Donc, je crains que si on avait vraiment connu peut-être sa personnalité et ses préférences, cela ne serait pas du tout passé au niveau de la famille. D'ailleurs, on voit chez lui et on a la carte du procès. Donc, pour moi, il y a vraiment, vraiment, vraiment des choses qu'il a souhaité cacher, qu'il ne supportait pas chez lui. Des événements qui peut-être ont été sus par la famille ou par des gens qu'il ne souhaitait pas pourtant tenir au courant. Cela a créé vraiment des tensions autour de lui et vraiment chez lui, il ne bénéficiait pas forcément d'une très bonne image. Là encore, pas de hasard, hein. Effectivement, nous avons ici la carte de la douleur avec le départ. Donc ce départ est volontaire ici, hein. Il n'y a absolument pas mention de quelqu'un qui serait mis dans un coffre ou séquestré. On est sur un transport en commun et des personnes qui se saluent. Donc possiblement, il aurait pu prévenir certaines personnes de son départ. Hésiter avec la notion du couple et de l'engagement. Il a été intimidé. Alors voilà, pour moi, ici, on nous dit que Marwan, avant sa disparition, le dernier jour où on l'a vu, était dans une situation, pour moi, vraiment compliquée. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de choses dont il ne souhaitait pas faire part, ni à ses amis proches, ni à sa famille. Il était coincé dans une situation qui lui était extrêmement compliquée à gérer et qui générait chez lui de la douleur et un certain mal-être. Pour moi, on est face à quelqu'un qui ne s'assume pas et qui ne voulait pas forcément avouer la plupart des choses qu'il vivait. Quitte à corrompre par l'argent, il ne souhaitait pas que des choses sortent sur lui, certaines choses qu'il souhaitait vraiment garder dans son intimité. Malheureusement, ici, on a la carte de l'intimidation avec le clown, donc quelqu'un qui s'est montré vraiment sous ses meilleurs aspects, qui semblait être gentil, mais qui ne l'était pas du tout. D'ailleurs, on a le rival qui ressort. Dans la chambre à coucher, pour moi, il y a vraiment une notion d'intimité ici. Hein. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui lui a fait du mal et qui connaît. Alors, fait du mal, mis dans une situation, on va dire, très compromettante, et ça donne un échec sur le travail. L'âne étant chargée, c'est vraiment l'âne comme moyen de récolte ici, comme vous voyez, comme une... comme une charge, il porte une charge sur son dos. Donc pour moi, on est vraiment dans une situation d'intimité qui ne s'est pas forcément très bien finie. On est sur une personne qui a été ce jour-là dans une véritable confrontation entre ses besoins, ses envies et ce qu'il peut assumer. Et d'ailleurs, la rivalité a lieu dans l'intimité de Marwan. Donc pour moi ici, il n'y a pas de notion forcément d'avoir été forcé dans le sens... abandonner la voiture qui ressort, par exemple. Par contre, on voit que cette journée-là ne se passait pas bien du tout pour lui et qu'il était un peu contraint de faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Notamment, je pense, peut-être donner de l'argent à quelqu'un pour acheter son silence. En tout cas, pour moi, il y a vraiment ici des informations qui sont très intéressantes. Je ne sais pas ce que vous en penserez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Déjà, avec ce premier jeu, nous avons quelques informations. Pour ne pas vous faire perdre de temps, je vais procéder à un autre tirage, toujours avec le jeu de haut, mais nous allons essayer de le compléter cette fois-ci avec les cartes sentimentales, puisqu'on nous indique, semble-t-il, quand même une partie réservée à ses sentiments, à ses relations, qui pourraient nous indiquer un peu plus d'informations sur sa disparition. Donc je reprends des cartes qui comportent des mots pour être un peu plus précise dans tout ça. Je profite de cette matinée pour adresser un soutien particulier au peuple marocain. En effet, nous avons tous entendu parler du tremblement de terre qui a eu lieu à Marrakech et dans lequel beaucoup de personnes ont péri, d'autres ont été blessées. Et pour l'instant, nous n'avons toujours pas de bilan officiel, bien évidemment, puisque aujourd'hui, au moment où je publie cette vidéo, nous sommes samedi. Ah non, le moment où je le publie, pardon, c'est dimanche, mais je la tourne le samedi.
Et nous sommes déjà à un bilan très 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 important, mais bien évidemment au vu des destructions et des conséquences, je crains que celui-ci ne s'alourdisse. J'envoie toutes mes prières au peuple marocain, aux gens qui ont tout perdu en une soirée, aux personnes qui se retrouvent les plus démunies. Et j'apporte évidemment encore une fois tout mon soutien aux autres pays, à tous les pays opprimés, à ceux qui sont dans la misère et à ceux qui ne reçoivent pas le soutien de l'Occident par rapport à ce qui se passe chez eux. J'en arrête là. Donc ici, nous allons essayer donc avec les cartes que j'ai choisies pour le jeu de haut, d'avoir des précisions concernant éventuellement cette notion qu'on a vue dans le tirage précédent qui nous fait part de sentiments, d'une relation compliquée. Donc j'ai pris les cartes du Tando. Là, j'ai pris une carte qui va nous indiquer une direction, comme je le fais souvent. Je vais la poser là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous la retournerai à l'écran. Alors, Marwan. Donc, Marwan, lui, qui a disparu de manière étrange et que nous avons donc, contre toute attente, analysé précédemment et vu potentiellement qu'il s'agirait d'une relation... de quelque chose, en tout cas, qui aurait un lien très avec des sentiments, avec une certaine conception de relation. Donc, c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de procéder à ce tirage. Bien entendu, si la famille de Marwan ne souhaite pas plutôt que certains tirages soient effectués, n'hésitez pas à me le faire savoir, je supprimerai la vidéo. Je tiens également ici à préciser que j'ai eu un échange mail avec l'association ARPD qui m'a demandé de bien vouloir supprimer ma vidéo concernant eh bien, les disparus que je vous avais présentés, les disparus de l'Inde. Je ne vais pas donner leur nom ici, je vais juste dire Valentin et FX. Cette dame est traumatisée depuis la disparition de son enfant, ce que je comprends complètement, et elle souhaite que toutes les vidéos qui traitent de cette disparition passent par elle. Elle n'apprécie pas visiblement le tirage que j'en ai fait, et je tiens, après m'être excusée auprès de son contact à la RPD, je tiens à présenter ici mes excuses en direct. L'objectif et les résultats de cette vidéo ne me semblaient absolument pas... porter préjudice à la famille, et mon but étant uniquement, bien entendu, de pouvoir essayer de ne pas faire oublier ces personnes. Je suis vraiment désolée si cela a pu lui causer du chagrin. Donc je tenais à vous dire que cette vidéo a été mise en privé sur ma chaîne, marquée comme réservée aux membres. Pour l'instant, je n'ai même pas créé de club privé, on va dire entre guillemets, donc il n'y a pas de membres sur ma chaîne. Et je pense qu'il est préférable ainsi, puisque vraiment je ne souhaite absolument pas blesser qui que ce soit. Donc pour en revenir à Marwan, nous avons l'intimidation par rapport à un couple. Alors ici on voit un homme et une femme. Il se pourrait que quelqu'un du sexe opposé ait appris quelque chose et s'en soit servi à son encontre. On va découvrir la suite. La fascination. Et là... Sur la fascination, il y a ce qui pourrait représenter deux hommes. Alors, qui pourraient jouer à « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », voilà. En tout cas, il y a deux gestes réciproques, comme une claque, sur chacun d'entre eux. Et cette fascination pourrait être comme un effet miroir, en fait, que Marwan trouvait en quelqu'un. Mais qui, chez lui, générait une colère. Hein. Supprimée. Donc là, avec la carte supprimée, on a deux compères dont l'un, le visage est vraiment plus masqué que l'autre. Mais ce sont deux hommes. Deux hommes aux traits qui semblent quand même assez... Alors, je ne sais pas ce que vous en penserez. Pour moi, on pourrait penser vraiment à des gens qui seraient d'origine soit grecque, soit maghrébine. Pour moi, il y a une représentation vraiment d'un ordre étranger ici. Alors, il pourrait bien y avoir des personnes qui ont comploté contre lui. Oh, de nouveau le rival. Bon. Et voilà, donc, de nouveau une personne qui est étrangère avec une autre personne. Donc, on a une personne noire et une personne blanche, ici, qui semble donc être en relation de couple.
Et pour moi, on nous présente ici quelque chose d'important, puisqu'on sait que Marwan a des origines étrangères. Alors, pour moi, vraiment, il y a eu quelque chose avec l'étranger par rapport à ça. Je pense que quelqu'un s'est servi d'informations qu'il avait en sa possession contre Marwan pour le mettre dans une situation vraiment délicate. La stupidité. Et là, on a une carte qui représente de nouveau les relations avec personnes du même sexe, donc là, entre femmes. On voit qu'il y a donc la bride qui est commencée à enlever ici, une image relativement sensuelle de la femme. Stupide avec cette douceur-là, avec cette sensualité-là. Il se peut que le rival ait utilisé un appât pour séduire Marwan, mais pour moi, c'est pas vraiment très clair. On va regarder. S'accrocher ici est recouvert par le marasme total. Donc oui, pour moi, il y a vraiment des choses autour de lui, dans sa vie privée, voire sa vie intime, des relations qui n'allaient plus. Pour moi, s'il était en couple, et ça, je n'en sais rien, c'était terminé en fait. Hein. Sa conjointe, pour moi, n'était pas fidèle. En tout cas, il semblerait, hein, je parle toujours au présent, mais je devrais utiliser le conditionnel. Il semblerait pour moi qu'il y ait eu tromperie et des deux côtés. Qu'une chose ne se soit pas passée comme prévu et que des gens aient été mis au courant et essayé de faire du chantage par rapport à ça. Montre l'enfant et le désaccord du couple. Alors, je ne sais pas, peut-être que celui-ci... avait un foyer compliqué au niveau de ses parents. Pour moi, on peut nous dire également qu'il aurait pu devenir papa et que cela ne leur convenait pas. Dépendre d'eux. Et vous voyez de nouveau la grossesse et l'homme qui n'est pas content, qui regarde ailleurs. Et qu'est-ce qu'il regarde? Une femme qui s'en va ici. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui l'a piégé, entre guillemets, et quelque chose qu'il a voulu régler. Il était au courant de quelque chose le concernant qui ne lui convenait pas. La lassitude, vous voyez, avec la femme qui crie sur l'homme encore. Il n'était pas heureux, Marwan, non? Et là, on a de nouveau la carte du comique. Avec un bébé illégitime, vu que celui-ci semble avoir quand même des traits africains et des parents pas du tout. Donc, bébé noir et parents pas noirs, sur la caisse du comique, on est vraiment dans la haute trahison ici. Donc ce jeu ici, pour moi, concernant Marwan, nous indique vraiment qu'il a été dans une situation où on s'est moqué de lui, où on lui a appris quelque chose d'important au niveau de sa confiance. C'est quelqu'un qui s'est fait trahir. Il avait vraiment autour de lui des notions de, voyez, de dispute autour d'un projet de bébé ou autour de quelque chose qui lui a été présenté comme étant son enfant mais qui n'était pas le cas. C'est une personne qui a été trompée et qui a été manipulée. Et la carte? La carte de la direction indique toutes les religions. Donc là, on a l'islam qui est représenté, on a la religion juive, on a les catholiques, on a les bouddhistes, et puis d'autres que je ne connais pas qui sont représentés sur cette carte dans une notion de triangle, qui est donc attention. Donc ici, pour moi, on s'est servi des valeurs religieuses de Marwan à son encontre. On a voulu le culpabiliser, on a voulu lui faire croire qu'il était important pour lui de ne pas agir de la manière dont il le pensait, sous couvert de religion. Allez, on va replier ce jeu. Donc pour moi, il y a bien un problème au niveau d'un couple. Il y a bien eu un problème avec une personne extérieure à ce couple qui n'était pas du tout bienveillant. Des personnes qui se sont fait passer pour des amis et qui ne l'étaient pas. Pour moi, Marwan n'est pas partie de manière délibérée dans le sens où il y a des choses qui l'ont conditionné. Si c'est bien lui qui a décidé de partir, ce n'est pas vraiment un choix, mais un besoin. Quelque chose qu'il n'avait pas prévu, mais dont il a eu besoin soudainement parce que la réalité a été trop dure à accepter d'un coup. Pour moi, il y a vraiment quelque chose avec Marwan qui me fait peur, en l'occurrence. Oups. Je vais prendre un autre jeu afin de compléter ces informations. Je vais mettre à profit, je pense, le grand été là qui pourrait nous donner quelques renseignements complémentaires par rapport à ce qui s'est passé autour de Marwan, le jour de sa disparition et puis les jours avant aussi. Parce que je crois que cela n'est pas arrivé par
D'un côté, oui, c'est très brutal, il y a eu cet accident. Mais je crois que depuis quelque temps, Marwan était déjà vraiment mal, d'après ce que je ressens. Il était déjà au courant de toutes ces choses-là il y a quelque temps et il ne le vivait vraiment pas bien. Donc, nous allons procéder à ce tirage. Marwan, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Marwan Bérémy qui a pu faire qu'il ait disparu? Là, je vais laisser les cartes qui viennent seules venir. Donc, je vous présente celles qui échappent et qui ressortent au niveau du tas lorsque je les brasse. Et après, si certaines avaient besoin d'être complétées, on fera différemment. Mais déjà pour moi, là, le jeu veut parler et je vais le laisser faire. Je trouve que c'est toujours plus intéressant d'ailleurs parce que les cartes viennent d'elles-mêmes. Parce que pour moi, il n'y a vraiment pas de hasard. Effectivement, il y a toujours eu quelque chose de l'ordre de quelque chose d'autre que je ne peux pas du tout expliquer d'ailleurs. Voilà. Donc, on va commencer avec ces cartes-là. Je vais prendre une carte qui servira pour la coupe. Hop, la main en dessus. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, ah, bon, bah écoutez, pour couper, on a la carte des vérités ici. Alors, la carte des vérités, si on prend son sens premier, d'ailleurs, c'est la carte numéro 6. Je fais un peu attention à la numérologie également, ça a toujours une importance. 6 égale diable, pas forcément dans la numérologie, mais dans la croyance populaire. Et ici, attention, pour moi, on nous met en garde. Hein. Cette carte représente le ciel, mais elle est arrivée retournée. Et pour moi, il y a vraiment eu une rencontre qui s'est faite. Avec cette carte, on nous dit qu'il y a eu une rencontre qui a été faite. Une rencontre qui était en lien avec des difficultés à comprendre quelque chose. Il avait des questions en lui, il a eu besoin d'avoir des réponses. Et les vérités, ici, sont représentées et nous indiquent bien que Marwan avait des soucis en tête, cherchait à obtenir des informations et que ces informations-là étaient vraiment très, très, très étonnantes. C'est comme s'il avait eu une illumination par rapport à celle-ci. Alors, nous avons le garçon studieux qui arrive. Marwan, effectivement, est un jeune homme qui est présenté par plusieurs de ses collègues comme quelqu'un de très sympathique, quelqu'un avec qui il n'y avait pas de problème au niveau du travail, pour qui les choses semblent se passer plutôt bien. C'était quelqu'un qui avait une bonne réussite. Ici, on nous parle de quelqu'un qui avait plutôt du succès. Qui a plutôt du succès. Les chagrins. Alors, Marwan, lui, malgré ses succès-là, comme on a vu dans le jeu précédent, semble quand même être quelqu'un qui gardait beaucoup pour lui et était un peu torturé. Ici, la carte du 2 de bâton nous indique toujours que partir, c'est mourir un peu. Et pour moi, on est vraiment dans l'évade... Alors, pour... si tant est que Marwan ait choisi ce départ de manière délibérée, eh bien, il aurait fait un mauvais choix. Je ne sais pas si Marwan est d'origine marocaine. En tout cas, il se pourrait, même s'il était parti de manière délibérée, que lors de ces tremblements de terre au Maroc, les choses ne se soient pas passées comme prévu pour lui. En tout cas, vraiment, les nouvelles sont affligeantes ici. Et pour moi, on nous parle d'un être cher qui pourrait s'éloigner et s'éloigner à cause notamment de chagrin d'amour, de trahison. Mais pour moi ici, cette carte indique qu'il n'y a pas de retour en arrière, malheureusement. Alors, l'obstacle. L'obstacle, c'est pareil, c'est pas forcément très positif. On nous dit ici que Marwan était quelqu'un qui était très jalousé. C'est quelqu'un qui attirait les regards d'une mauvaise personne ou de plusieurs mauvaises personnes. C'est très péjoratif pour moi. Ici, on est sur quelqu'un qui... comment dire? C'est quelqu'un qui a rencontré des obstacles dans la mesure où il a eu des propositions, en fait, qui étaient par rapport à son travail. C'est quelqu'un qu'on a essayé de bloquer par rapport à son travail. On a pu lui faire du chantage. On a pu lui parler de sa carrière. On a pu lui parler de... d'une certaine chose qu'il aurait perdue
ici par rapport, alors je dis que c'est par rapport à sa carrière parce qu'on a commencé à nous parler de son côté professionnel ici. Et pour moi, on lui a fait du chantage par rapport à cette carrière-là. Alors, la tempérance, la tempérance. Alors, la tempérance, pour moi, est pas forcément très positive non plus. On dit que, alors bien que dans les jeux classiques, hein, je crois que c'est une carte qui est représentée comme quelque chose de bien, qui représente la force et tout ça, mais pour moi ici, il est mal entouré. On nous dit ici qu'il s'est montré vraiment un peu naïf dans ses relations amicales, puisque c'est entouré ici de l'obstacle et là de la médiocrité. Donc on me confirme que l'entourage de Marwan est au courant de quelque chose ici, et que c'est justement cet entourage-là qui tient la clé du mystère. Pas forcément positif à l'entourage, hein, puisqu'on voit bien l'obstacle et la médiocrité. Cette médiocrité, donc, qui est le 3 des culs qui arrive renversée et qui nous parle d'une volonté d'humilier cet acteur. Il y a des personnes autour de lui qui sont vraiment toxiques, qui sont vraiment néfastes et qui ne lui veulent pas du bien. Ah, bah la grossesse de nouveau. Alors, dans les jeux précédents, effectivement, la notion du bébé revient souvent. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Je ne sais pas si Marwan a des enfants ou pas. En tout cas, pour moi ici, avec cette as d'épée qui arrive retournée, on nous dit que c'est une période de fécondité hein, pour ce monsieur. Et que c'est aussi la carte de quelque part... bah, de la vie, quoi. Hein, moi, ça nous représente une vie, mais une vie qui n'a pas été choisie. Alors, comment vous expliquer ça? Oui, c'est comme s'il y avait eu peut-être une annonce de grossesse, mais de quelque chose qui n'était pas du tout voulu pour lui. On va compléter les cartes, je vais les recouvrir avec d'autres, pour voir ce qu'on peut nous donner comme complément avec ces cartes-là. Ça peut être intéressant. Donc là, j'ai le pouvoir, la prison... La femme méchante, le législateur, l'entourage et les sages avis. Et sur la coupe, je recouvre la vérité, les vérités avec la carte de la liaison. Ok. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, on a vu qu'il y avait cette notion aussi de bébé qui n'était, semble-t-il, pas issu du bon père. Ouais, on avait un bébé qui était noir et un père qui était blanc. Les parents étaient blancs tous les deux. Là, pour moi, vérité et liaison ensemble nous indiquent de nouveau qu'il a appris quelque chose qui l'a vraiment contrarié. On nous parle dans ce jeu ici de projets qui ont été complètement retardés, voire annulés par rapport à la découverte d'une information capitale. Donc ça, c'est la coupe. Après, avec le garçon studieux, nous avons le pouvoir qui arrive. Et cette carte du pouvoir est renversée. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Eh bien, en fait, c'est qu'il s'agit de ne pas être trop sûr de soi. Il ne faut pas non plus abuser d'un certain pouvoir qui aurait été donné. Donc, ce garçon studieux était, semble-t-il quand même, assez imbu de sa personne. En tout cas, il savait ce qu'il valait. Et c'est une personne qui... pouvait certainement prendre encore de la place au sein de la série dans laquelle il jouait. Pour moi, c'est quelqu'un qui était plutôt dans la réussite et dans la réussite professionnelle. On disait bien avec la carte du garçon studieux que c'était une personne qui n'avait pas de difficultés. La seule qu'il pouvait rencontrer professionnellement était peut-être d'être trop sûr de lui et de faire usage en fait un peu de force et un petit peu de prétention envers certains collègues. C'est ce qu'on nous dit ici. Ensuite, nous avions le chagrin, et le chagrin qui est complété par la carte de la prison. Alors, la carte du chagrin, comme je vous le disais, c'est une carte qui est quand même très parlante ici, puisque c'était partir, c'est mourir un peu. Et nous avons la carte de la prison. Et pour moi, on nous indique qu'ici, il n'y a pas de décès. C'est plutôt rassurant. Ici, il y aurait eu vraiment quelque chose qui se serait passé. Suite à tous ces... à des fraudes, on va dire. Hein. Pour moi, il y a eu quelque chose qui a été su et il a voulu éviter, pour moi, une incarcération. Donc peut-être l'accident, hein. C'est vrai qu'il y a cet accident qu'il ne faut pas oublier puisque tout est parti de là. Et il ne compte pas revenir. À la base, c'est quelqu'un qui est parti et qui ne comptait plus revenir,
qui avait fait le deuil de la vie qu'il avait ici, puisqu'il sait que la prison, en fait, l'attend, suite à ce qui s'est produit, ce qui se serait produit. Malgré tout, nous avons après les obstacles et la femme méchante. Et ceci nous indique quand même que cette femme, donc d'abord les obstacles, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la carte qui est arrivée ici, on nous annonce quand même des propositions qui sont liées au travail et qui sont un petit peu bloquées. On nous dit ici que c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément bonne presse et voilà, c'est une carte un peu péjorative parce que du coup, on nous dit que les gens essayaient de le ruiner ici, de profiter de lui, de profiter de son statut de star, de son argent et de ce qu'il représente. Et quand je dis les gens, nous avons la femme méchante qui ressort. Cette femme méchante, peut-être faisait-elle partie de la vie de Marwan, je ne connais pas sa vie personnelle et intime. Ici, en tout cas, on nous parle d'une personne qui plutôt. Alors, c'est vrai que cette femme ici, c'est une carte qui représente une dame et peut représenter un personnage, mais plutôt un comportement en fait. Hein. Et donc, pour moi, vraiment ici, c'est une femme qui avait la haine contre Marwan. Il y a une femme qui s'est dressée par rapport à ça et quelqu'un qui avait vraiment la haine. Donc ce n'est pas du tout anodin. Je ne sais pas si ce soir-là, il aurait pu y avoir une dispute avec une personne de sa connaissance. Mais en tout cas, une femme est intervenue ce soir-là. Et je ne sais pas s'il s'agit peut-être de la personne qui l'a renversée, mais je n'en ai pas l'impression. Pour moi, c'est avant cet accident. La carte donc de la tempérance qui l'ange de l'Apocalypse hein, nous disait qu'il avait tout à fait preuve de dévouement, d'abnégation, et qu'il aurait fallu en fait qu'il réfrène un petit peu ses élans de colère. Et dans cette soirée, ses consommations. D'ailleurs, on voit le législateur qui apparaît derrière. Et là, on nous dit que la personne en fait qui va devoir faire appel à un avocat, clairement, qui va avoir besoin d'un soutien juridique en tout cas. Nous avons la médiocrité qui était ressortie et qui, comme je vous le disais, ici représentait un peu l'entourage. Et bien, en effet, nous avons l'entourage, cette fois carrément, qui nous est donné avec cette carte de la médiocrité. Alors, pourquoi? Ici, la médiocrité, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des gens qui cherchent à humilier bien souvent. Hein. C'est l'entourage qui souhaite nuire, qui souhaite. On va dire peut-être même mentir au sujet de quelqu'un. Et cet entourage ici semble être quelque chose qu'il avait en connaissance. Il savait qu'il était mal entouré et du coup, par conséquent, les personnes qui l'entourent aujourd'hui lui donnent de mauvais conseils. Et je crains qu'il ne soit parti sur la base de conseils que quelqu'un aurait pu lui donner. Nous avons ici la carte de la grossesse et ensuite les sages avis. Cette carte de grossesse, comme je vous le disais, est une carte ici qui nous annonçait la fécondité de Marwan et la possibilité que celui-ci soit en attente par rapport à une certaine grossesse. Les sages avis ici nous disent qu'en réalité, il a pris conseil, il a eu besoin de prendre conseil avant d'accepter ou de refuser. C'est une carte qui nous pousse en fait ici à écouter les conseils d'autrui. On a besoin pour pouvoir prendre la bonne décision d'avoir les opinions d'autrui. Pour moi, donc, avant sa disparition, il y avait beaucoup de choses dans la vie de Marwan qui étaient en train de changer et en train, en tout cas, de lui être révélées de manière parfois douloureuse. Ce n'était pas forcément quelque chose qu'il avait à cœur de mettre à plat forcément cette période. Pour moi, on est face à quelqu'un qui n'avait pas prévu cette situation dans la mesure où il a été surpris ce soir-là par quelque chose. J'ai la carte vicieux qui vient de s'extraire du jeu. Je vais faire un tirage en croix toujours avec le grand était là pour voir la situation présente, les appuis, les faiblesses, ce qui avait importance dans le passé, qui impacte le présent et puis une conclusion par rapport à ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. J'aimerais vraiment savoir ce que Marwan Berhani vit en ce moment. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il se porte bien? Est-ce qu'il est toujours parmi nous? Et si oui, est-ce qu'on va en avoir des nouvelles prochainement ou pas? Donc, je vais pousser cette carte.
On l'interprétera par la suite. Je vais d'ores et déjà prendre les 5 cartes nécessaires. Et voilà. C'est parti. Donc là, nous avons la situation présente. Ah, de nouveau, les sages avis. Alors, il se pourrait qu'aujourd'hui, de là où il se trouve, il vive en fait avec ce qu'il a déjà engrangé. Il n'a pas de besoin d'argent nécessaire. Pour moi, il s'en sort très bien financièrement et il peut vivre sur son argent. Ça ne serait pas le problème, mais par contre, il a besoin de prendre un conseil. Pour moi, il est parti demander de l'aide, un conseil. En tout cas, c'est ce qu'il voulait. Alors, sa force était la prospérité. Oui, 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 c'est un jeune homme qui s'en sortait sans doute très bien, puisqu'il était devenu un personnage récurrent de la série au fur et à mesure des années. C'est quelqu'un qui avait une grande cote de popularité, je crois, auprès des personnes qui suivent cette série. Et ici, on nous parle d'une prospérité qui était renversée. Donc la carte est arrivée à l'envers et nous indique en fait qu'il aurait fallu qu'il reste prudent, notamment au niveau des affaires en fait. Hein. C'est quelqu'un, je pense, puisque ça ressort en termes de positif ici et de force, qui va gagner beaucoup d'argent ou qui a gagné beaucoup d'argent grâce à cette prudence. Attention, ici, on peut aussi nous parler d'une grossesse. Le revers. Wow. Alors, le revers en tant que faiblesse, que fragilité dans ce jeu, est une carte qui n'est pas anodine, puisqu'elle est le 4 de coupe, hein, ici. Et les ennuis, en fait, sont causés par l'entourage. C'est vraiment une carte qui est triste, ici. On nous annonce quelque chose de malheureux. C'est un revers de fortune et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il a perdu, une situation qu'il a perdue. L'entourage de Marwan, eh bien ici, c'est ce qui a agi en fait, ce qui a poussé Marwan visiblement, ce qui aurait poussé Marwan à disparaître, eh bien, viendrait de son entourage. On nous parle ici d'un mauvais entourage. Hein. La carte étant à l'endroit, on nous dit que c'est quelqu'un qui était très mal entouré et très mal conseillé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est dans cette situation dans le présent. Et la conclusion, c'est la carte de l'espion. Donc, la carte de l'espion, c'est une carte qui est assez intéressante ici dans son cas. C'est un soldat. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est plutôt honorable et on nous dit en fait qu'il aurait tout à fait légitimité à se fermer des autres, à rester hors des personnes curieuses. C'est quelqu'un qui aurait dû ou pourrait à l'avenir se couper de beaucoup de personnes qu'il a fréquentées par le passé. Il a appris des choses sur son entourage qui ne lui ont pas plu du tout. Et donc, la carte que j'avais ici au niveau de la coupe du jeu, c'est la carte vicieux, donc la carte 64. Cette carte qui représente le sultan d'Égypte, qui est plutôt une personne mauvaise, qui n'est pas agréable à fréquenter. Et on nous parle ici d'un homme qui est sans vergogne et qui a cherché à l'entraîner. Donc pour moi, Marwan, il y a une intervention d'autres personnes, c'est évident. Soit il est parti pour rejoindre quelqu'un, soit quelqu'un est intervenu et l'empêche de revenir. Pour moi, il n'était pas forcément question pour lui de rester aussi longtemps loin de la réalité. Il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu au départ dans son départ. Il n'avait pas anticipé cela. Alors, ce que je vais vous proposer pour avoir un peu une information au maximum, ça va être de prendre le jeu. J'hésite entre deux en fait. Je crois que je vais prendre le tarot des oppositions. Et si je n'ai pas les réponses plus précises avec celui-ci, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon tarot de la lumière. Ça, c'est ennuyeux. Ah, il est là. Bah écoutez, à ce moment-là, je prendrai le tarot de la lumière si jamais on peut avoir des informations. Ma question est, où est Marwan et est-ce qu'il a envie aujourd'hui? On est dans l'épée, hein, donc déjà, bah, top, top, top. Où est Marwan Bérémy? Est-il en vie?
Il y a beaucoup de violence. Là, tout de suite, ce qui me vient, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la contrainte, de l'ordre de l'autorité. Alors, on ne me dit pas forcément où il est, mais on me parle vraiment d'une situation qu'il ne choisit pas. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'il n'a pas choisi, Marwan. Je ne sais pas ce qui a pu... Allez, on va regarder déjà avec celle-ci ce que ça nous donne... un peu comme indication sur ce qui lui est arrivé, et on va essayer toujours de rester au plus proche de ce qu'on peut avoir comme réponse, même si celles-ci peuvent être un peu étonnantes, même si celles-ci peuvent être un peu, et je m'en excuse par avance, brutales pour les proches. L'important pour moi, c'est vraiment de faire un tirage honnête. Donc on me dit avec cette première carte ici, donc le 9 d'épée, qui... On se prépare en fait à un moment de grande difficulté avant le grand combat final. Donc il était déjà dans la difficulté, on lui avait dit qu'il se passait des tensions autour de lui, ou en tout cas il s'en était rendu compte. On nous parle ici de rester focus sur ce qu'on a comme peur et tout ce qui a pu blesser dans le passé. En fait, Marwan était vraiment très mal dans sa peau. Là, on me dit vraiment qu'il y avait vraiment un... il y avait une espèce une relation, comment dirais-je, paradoxale en lui. Parce qu'il se sentait à la fois comme quelqu'un qui était terrifié à propos de souffrances qu'il a vécues dans sa vie et qui était plutôt peut-être lié à l'enfance ou à l'adolescence. Il a été en fait un peu dans ses oppositions à lui-même, c'est-à-dire qu'il était frustré et pas forcément rassuré concernant toute sa vie, ses projets, comment gagner. C'est quelqu'un qui se posait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et qui semble être vraiment dans sa tête. Cela ne se voyait pas pour l'entourage, mais c'est quelqu'un qui était vraiment tout le temps en train de réfléchir et qui est toujours en train de réfléchir peut-être. Ici, nous avons donc après le 7 d'épée qui nous dit que le moment était favorable pour s'évader. Des situations qui étaient vraiment trop lourdes à porter pour lui. Et il a réalisé en fait qu'il y avait des litiges autour de lui qui l'empêchaient de croître. Il y avait des personnes qui l'empêchaient d'évoluer. On dit ici qu'il avait tout intérêt à faire attention à lui. Il y avait des difficultés qui allaient se résoudre avec le temps. On nous dit ici que même si ces relations privées pouvaient voler en éclats, on va dire, eh bien, ça ne serait que pour des choses positives, en fait. Il fallait être patient dans cette situation, car les choses, même difficiles, laissaient venir un avenir plus radieux. Toujours dans l'épée, hein, avec la dame de l'épée, ici nous avons la carte renversée. Donc qui nous indique un problème spécifique qui est arrivé et qui a dû, qui l'a impacté en fait d'une partie vraiment émotionnelle et qui a causé chez lui une sorte de dépression, quelque chose qui n'allait pas moralement. Il aurait pu faire preuve d'une certaine rationalité, de maîtrise, d'être un petit peu plus... terre à terre dans sa réflexion afin de relativiser ses épreuves, mais il avait également beaucoup d'ennemis qui étaient en colère contre lui, qui le détestaient, et en fait il était épié dans beaucoup de choses qu'il faisait. C'est quelqu'un qui ne savait pas forcément qu'il était haï à ce point par certains proches, hein, et pourtant là on me montre, au-delà des cartes, une proximité. Voilà, une proximité, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui est proche de lui, qui est dans cette affaire. Nous avons de nouveau la carte de la justice, comme tout à l'heure. Cette carte ici nous dit qu'il aurait dû prendre le temps de voir quelle personne il avait envie d'être. S'il préférait se montrer comme un juge, un accusateur, la personne qui créait ses propres lois,
ou plutôt celui qui les vit et qui les fait vraiment dans sa vie privée. Ici, on lui disait de prendre l'épée et de couper à vif, en fait, dans ses mauvaises habitudes et dans ses anciennes habitudes pour retrouver son pouvoir et pour pouvoir être lui-même. On lui dit ici de se rappeler que quand il a tort on lui demande ici de faire la balance, de se rappeler son rôle en fait entre ses mauvaises décisions et les bonnes décisions. Quelle est sa notion de culpabilité dans sa situation? On nous dit ici que la connaissance est un trésor et qu'il faut savoir appliquer avec justice cette balance qui permet de savoir si nos actes sont bons ou mauvais. Pour moi, il est vraiment en train de réfléchir. Hein, ici, on est vraiment face à quelqu'un qui est face à lui-même, qui ne sait pas trop comment faire les choses, qui est certainement pour moi vraiment à saturation de beaucoup de choses dans sa vie et qui avait besoin de s'évader, de faire cette part de travail pour lui, de retour au moral, de points dans sa vie. On ne dit pas s'il est toujours en vie ou non. Ici, nous avons le roi de coupe qui n'est pas une bonne carte et qui arrive en plus à l'envers. On nous dit que Marwan, en fait, c'est une personne qui aime cacher, qui a l'habitude en tout cas. Je ne sais pas si c'est qu'il aime, mais pour moi, il a l'habitude de cacher des choses. Il ne montre pas ses véritables sentiments et il n'interagit pas vraiment avec les gens de manière sincère parce qu'il a peur de la trahison. Alors, on me dit qu'il a également très peur d'être déçu, mais que ça n'a servi à rien parce qu'il l'a été. Il nous dit... alors là, franchement, j'ai une information qui me vient, mais qui me contrarie vraiment. On nous dit que c'est quelqu'un qui avait pu tout à fait faire des malversations pour s'en sortir, placer de l'argent d'une manière pas forcément très... pas très officielle. On me parle de quelque chose qu'il aurait été préférable de clarifier pour mettre fin, en fait, à la colère et aux critiques des autres. Donc, pour moi, il y a vraiment eu une problématique autour de l'argent. On me dit que c'est quelqu'un qui avait une vision de l'humanité, qui le limitait et en fait il se montrait de par sa réussite mais pas par la personne qu'il était. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup préservé et qui n'a pas voulu montrer son âme à n'importe qui. Pour moi, on nous fait part vraiment de quelqu'un qui a été trahi, bien qu'il ait mis du temps à faire confiance. On me dit que c'est quelqu'un qui... pourtant est une bonne personne en soi, mais qui a cette fragilité en lui depuis très longtemps. Alors comme un manque de confiance ou parfois quelqu'un qui lâche sur ses valeurs et qui n'en peut plus, donc qui se met un peu à faire des bêtises. Là j'ai l'as qui ressort de bâton. Et pour moi donc avec cette carte qui est à l'endroit, on nous dit qu'il faut prendre l'avantage sur la vie. Alors, on nous parle d'une énergie vitale, on peut nous parler de sexualité, on peut nous parler d'une énergie de la santé, du cœur. On parle de créativité pour moi. Là, on nous dit qu'il pourrait y avoir un retour à la créativité. Que si Marwan, en fait, accepte cette situation actuelle, il aura vraiment la capacité, en fait, de saisir de nouvelles opportunités et de commencer de nouvelles aventures. On me dit ici qu'il devrait suivre en fait cette indication sans délai, avec courage, en donnant le meilleur de lui-même pour réussir à outrepasser sa peur. On peut nous dire également que c'est quelqu'un qui pourrait faire preuve de... d'un certain contrôle qui pourrait arriver. Alors, voilà, pour moi, il est toujours vivant, semble-t-il, hein, pour moi, et il est vraiment dans cette situation de... Il a cette décision à prendre. Est-ce qu'il refait surface? Est-ce qu'il ne fait pas surface? Pour moi, ici, avec la carte de l'as de bâton, on me dit quand même qu'il a vraiment quelque chose à jouer, qui est positif pour lui.
On me dit vraiment qu'il pourrait prendre et tirer avantage de cette situation s'il était plus courageux. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Nous allons de nouveau retourner dans l'épée avec le roi d'épée cette fois-ci. Alors ce roi d'épée qui est à l'envers nous annonce quelque chose d'un peu contrariant. On nous dit qu'il manquerait d'une certaine combativité mentale et d'une certaine maturité. Il sait se montrer vraiment beaucoup trop impulsif. C'est quelqu'un qui a l'habitude de tout contrôler, je pense, hein, dans sa vie, qui contrôle son image. C'est quelqu'un qui ne doit pas aimer trop se laisser aller. On lui conseille ici d'avoir beaucoup plus d'enthousiasme et de dynamisme, en fait, parce que cela aurait pu lui servir à combattre, en fait, ses difficultés, les difficultés de la vie, en fait, hein, et aurait pu le mettre en sécurité par rapport à sa tendance à l'imprudence. On nous dit ici qu'il faut qu'il use de tous ses outils pour poursuivre ce qui est juste et bon comme objectif. Nous avons ensuite le roi de bâton, pardon. Donc ce roi ici, bon, lui, il arrive à l'endroit. Il arrive à l'endroit et il nous parle d'un caractère assez impétueux. Dans ses actions, une personne qui est passionnée et qui est plutôt courageuse habituellement. Hein. C'est quelqu'un qui est inspiré et qui est inspirant. Il a toujours fait preuve en fait de bonté envers les autres. C'est quelqu'un qui, pour lui, ne peut pas envisager une victoire sans qu'elle soit partagée avec des proches. C'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré et qui fait preuve d'une grande notion de l'amitié. Et la carte du magicien à l'envers, ici, vient conclure ce jeu et nous dit qu'il a un énorme potentiel, mais qu'il est très hésitant. On lui conseille, en fait, On lui conseille de revenir, d'affronter des choses pour pouvoir s'en sortir. Il détient la vérité et c'est ce qui intéresse la justice aujourd'hui pour trouver les solutions les meilleures et comprendre ce qui s'est passé. On nous dit attention également avec cette carte car il y a des illusions autour de Marwan qui vont lui revenir en plein visage. On lui conseille d'écouter ses proches, qui lui donne des conseils et qui lui propose de l'aider en fait. Ah oui, peut-être que là on ne parlerait pas de proches mais d'un psychologue. Oui, c'est ça. On me dit en fait qu'il faut qu'il parle à des personnes qui ont l'esprit ouvert et qui ne lui feront aucun subterfuge par rapport à ce qu'il a comme image médiatique. Donc pour moi, vous l'aurez compris, Marwan n'est pas décédé. Il est dans une situation pour moi assez complexe. Il hésite. Il y a eu des choses qui se sont produites et qu'il a souhaité. Alors, je n'ai pas eu la notion de l'accident ici. Hein. Alors, cet accident a été déterminant pourtant. Mais à aucun moment il n'est ressorti, comme vous avez pu le voir. Donc, pour moi, Marwan est en vie. Et on va voir. Avec. Un dernier tirage, le tarot de la lumière, si on peut nous dire vers qui il est en ce moment, à défaut de savoir le géolocaliser, parce que figurez-vous que je ne suis toujours pas un GPS. À tous ceux qui me disent d'aller chercher Delphine Jubilard, Émile et toute la clique, non, je ne suis pas un GPS, ça ne m'est pas, malheureusement, j'aimerais vraiment qu'on me dise, oh, ben, ils sont à tel endroit, vas-y ma cocotte. Eh bien non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, et c'est pareil pour les chiffres du loto, figurez-vous. Quand j'entends des gens qui me disent si c'était vrai, t'aurais qu'à me donner les chiffres du loto. Eh bien non, parce que l'objectif des dons qui nous sont conférés n'est pas du tout de s'enrichir d'un point de vue française des jeux, et encore moins d'en faire quelque chose de négatif comme ça, parce que pour moi c'est très négatif. Je ne vous cache pas que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout la notion de jeu d'argent. Je déteste ça et je vois les dégâts que ça peut faire sur certaines personnes. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin forcément d'être ultra riche pour être ultra heureux.
Bien sûr qu'il faut de l'argent, mais ce n'est pas du tout à ça que me servent les informations que je peux recevoir ou non. Et encore moins, les tirages que je fais, ça ne sert pas malheureusement à ça. Et les personnes qui vont vous géolocaliser Delphine Jubilard, vous dire « Ah bah oui, moi je l'ai vue, elle est à tel endroit », eh bien, je crois que les recherches ont été faites sur le terrain et que ça n'a rien donné. Donc, peut-être pas tout, hein, peut-être qu'on n'a pas refouillé l'ensemble des étangs, peut-être que tout n'a pas été redragué pour la 70e fois, par exemple. Mais je suis persuadée que dans cette enquête, avec le changement de procureur, les choses ont été balayées quand même relativement larges. Et ce n'est pas moi qui vais pouvoir avoir la réponse du lieu dans lequel elle se trouve. Mais je ne vais pas vous spoiler, puisque le 15 septembre prochain, vous aurez une vidéo consacrée à Delphine Jubilard, à l'enquête. Et cette vidéo sera suivie d'un tirage pour essayer d'avoir des informations complémentaires par rapport au sujet que j'ai abordé, que j'ai commencé d'aborder dans le script que je vous prépare, qui pour moi est riche de rebondissements et d'informations qui peuvent être très intéressantes à recouper. Donc c'est un petit peu long parce que je ne sais jamais comment prendre les photos sur internet sans me faire striker pour droit d'auteur. Je suis vraiment pas du tout encore à l'aise avec tous ces trucs. Mais j'essaye en tout cas de vous préparer un podcast de manière la plus sympa possible pour Kevin et Leslie. Je crois que je m'étais fait effacer mes photos par YouTube. C'était pas très grave, ça reste du podcast, mais j'aimerais pouvoir vous faire une présentation plus correcte. Je sais pas comment font les autres YouTubeurs pour arriver à passer des extraits de vidéos, des extraits d'informations, parce que moi c'est striker systématique. Même si je mets ma chaîne en partage et que je cite mes sources, ça passe pas. C'est pas très grave, c'est que ça doit être comme ça. J'ai pris beaucoup de cartes. Moi, mon objectif là, c'est vraiment de savoir où il est pour le moment, savoir si on peut avoir quelques informations aussi, en plus de tout ce qu'on a déjà eu, ce qui était déjà pas mal, je trouve. Donc là, on a le chariot et le 8 de bâton pour commencer. Alors, ce chariot, comme vous commencez certainement à le savoir, pour moi, on est vraiment sur une situation complexe. Un manque de volonté et quelqu'un qui a été tiraillé en fait. Il a pris la mauvaise direction et cela l'a conduit à un échec. Nous avons ensuite ce 8 de bâton. Le 8 de bâton ici qui est à l'endroit vient nous apporter des nouvelles rapides et un avancement. On nous parle également de voyage. Pour moi, Marouane n'est donc pas forcément encore sur le sol français. En tout cas, on nous parle d'un voyage, donc ça peut être aussi dans une autre région. Et c'est qu'un mauvais choix qui a été fait, il n'aurait jamais dû partir. On me dit pourtant qu'il va y avoir des nouvelles, hein, donc possiblement dans les jours ou semaines à venir, on en saura plus par rapport à sa disparition. Le 2 d'épée retourné avec le roi de denier retourné. Donc le 2 d'épée retourné nous indique ici une prise de décision qui a été prise par Marouane, bien sûr, pour se soulager d'un problème en fait. Il était dans un dilemme et il a pris cette décision, il s'est positionné ainsi, il a voulu fuir. Donc pour moi, on est face à quelqu'un qui a effectué un choix, et un mauvais choix comme on nous l'a déjà dit avec la première carte. Le roi de denier, ici renversé, nous parle d'une notion qui est plus liée à l'argent. Et ici, on nous parle d'une personne qui a fait un mauvais investissement, qui avait des dettes. Alors, est-ce que Marouane était quelqu'un qui jouait? Je ne sais même pas pourquoi je vous ai parlé de jeu d'argent, d'ailleurs. Ah bah si, par rapport au loto. Mais en tout cas, c'est peut-être pas anodin. On parle de cupidité, de mauvais investissement. Donc, il n'y a pas qu'une question, en tout cas, d'ordre sentimental ou d'ordre d'arnaque. Ici, il y a un problème financier important. Tout n'est pas lié forcément à l'accident de voiture. 6 de coupe. Moi, je vous dis, l'accident ne ressort pas. Alors, c'est comme si ce n'était pas Marouane hein, qui l'avait. Pour moi, il n'y a vraiment pas de notion d'accident pour l'instant, en tout cas. Donc, possiblement, ce n'est pas lui qui conduisait ce véhicule. Possiblement, il n'était même pas dans le véhicule. À vérifier, je ne sais pas si des relevés ADN, des choses comme ça ont été faits, des vidéosurveillances, aucune idée. Mais pour le moment, ça ne le concerne pas. Avec le 6 de coupe, on nous parle de son innocence. On nous parle aussi de sa générosité. On nous dit que c'est quelqu'un qui avait quand même encore un grand enfant intérieur ici. C'est quelqu'un qui était encore dans la jeunesse et dans l'insouciance. Le roi de coupe, lui, est plus mature, bien sûr. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui, bien qu'étant assez jeune, faisait preuve d'une certaine stabilité émotionnelle. C'est quelqu'un qui avait visiblement une certaine propension à se montrer empathique avec ses proches. Quelqu'un qui apportait régulièrement son soutien aux personnes qui étaient tristes. Quelqu'un qui savait s'investir humainement pour ses amis.
et sa famille. As de bâton retourné. Avec le 5 d'épée retourné également. Alors, l'as de bâton, ici, qui n'arrive pas dans le bon sens, n'est pas rassurant puisqu'on nous parle en fait d'une panne d'inspiration, d'une certaine impuissance pour lui, qui aurait pu donc jouer sur son moral. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas forcément très rassurant. On nous parle aussi d'une lassitude, d'un manque de motivation, de quelque chose qu'il n'avait plus envie de subir. Le 5 d'épée retourné, lui, nous parle de conflit et il nous parle de critiques blessantes, d'humiliation et de révocation. Donc ces deux cartes, en fait, l'une avec l'autre, nous prouvent bien qu'il y avait vraiment des tensions dans sa vie et des tensions en interne, des tensions morales. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'allait pas bien et qui se sous-estimait de plus en plus. C'est quelqu'un qui, par ce mal-être, pouvait avoir tendance à avoir des disputes qu'il n'avait pas avant. Le 4 de denier représente l'argent ici encore, le denier. Donc ce 4 qui est arrivé à l'endroit nous parle plutôt d'une personne qui est proche de son argent, en tout cas qui sait l'épargner et ne pas le dépenser outrageusement. C'est quelqu'un qui sait se montrer prudent d'habitude et quelqu'un qui aime bien ses habitudes justement, qui est confortable avec les choses qu'il maîtrise. C'est vrai que cette disparition étant complètement en dehors des habitudes, je ne suis pas sûre qu'il la vive vraiment bien. Là, nous avons la lune et le pendu. Alors, la lune. Cette carte ici nous parle de ses angoisses, nous parle vraiment de confusion. On nous dit que Marwan, à ce moment-là, semblait être quelqu'un qui était très angoissé. On peut nous parler d'une certaine inconscience ici. Donc, est-ce qu'il aurait pu être dans le véhicule, mais ne pas le conduire, être sous emprise d'alcool, par exemple, ou de stupéfiants? En tout cas, on me dit ici, avec la carte de la lune, qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette inconscience. On nous parle aussi de sa part d'ombre avec la lune, mais on peut nous parler de créativité, de gestation. Gestation, ce qui nous rappelle encore la grossesse. La lune est vraiment cyclique ici et elle nous parle vraiment d'un renouveau aussi au niveau d'un cycle. Mais la carte qui la suit est celle du pendu et qui annonce donc des blocages, du renoncement, du détachement et de nouvelles décisions. Donc la lune qui est mauvaise conseillère, qui fait agir par angoisse, par peur et par confusion, a pu influencer ici, ou en tout cas nous dit que les choses ont été mises en attente, qu'il a fallu en fait renoncer et effectuer un sacrifice. Donc le mal-être probable de Marwan ici est bien expliqué et effectivement on nous parle d'une tristesse importante en lui, d'angoisse qui était générée. Cavalier de denier avec le 9 de denier renversé. Donc on est toujours dans une notion plus matérielle cette fois. Autant avant on avait le combat, l'ordre moral. Là on arrive sur la partie financière. Le cavalier renversé nous indique ici une incompétence. Quelqu'un qui est inconstant, qui pouvait se montrer irresponsable. Et là, on est vraiment dans le monde des affaires. Le 9 de denier, lui, renversé, nous parle de dépendance financière et de quelqu'un qui avait tendance à ne pas s'octroyer assez souvent de moments de décompression, de moments de liberté. C'est quelqu'un qui avait vraiment un rapport à l'argent, je dirais, qui est relativement malsain. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui en a manqué et qui ne... Comment on pourrait dire ? Oui, qui pensait en fait que les choses pouvaient continuer ainsi, puisqu'il avait connu, semble-t-il, à mes yeux en tout cas, en fait c'est quelqu'un qui pouvait faire preuve d'une grande faculté d'adaptation parce qu'il a vécu dans deux milieux. C'est quelqu'un qui devait ne pas avoir forcément beaucoup d'argent au départ et qui s'est un peu reposé par oisiveté sur tout ce qu'il pouvait gagner avec plus belle la vie. Le bachelor et le 3 de denier. Ouais, alors le bachelor, c'est la première carte du jeu. Alors, c'est pas le 0, hein, c'est le 1. Et ici, on nous parle vraiment d'un manque de volonté. C'est quelqu'un qui a été manipulé. C'est quelqu'un qui peut se montrer aussi lui-même manipulateur et qui est plutôt assez rusé, en fait. Hein. Je ne sais pas si on... Pour moi, c'est vraiment Marwan qu'on décrit. Et pour moi, il y a vraiment dans sa potentialité
quelqu'un qui sait manipuler et qui sait agir avec ruse, mais également quelqu'un qui n'a pas planifié les choses correctement, qui a fait preuve de... Ouais, qui s'est débarrassé d'un sujet un peu trop rapidement. Il y a des choses qui n'étaient pas prévues et qui ont été très mal faites. Le 3 de denier, ici, nous indique que ben, il y a peu de chances qu'en fait la situation reste telle qu'elle est. Nous allons avoir des nouvelles, je pense, puisqu'il y a vraiment, avec ce 3 de denier, une carte qui est en lien à l'apprentissage artistique. C'est quelque chose qui nous parle de reconnaissance, en fait, hein, d'un travail en équipe. Donc, je pense ici qu'on peut clairement dire qu'il va revenir. Le 3 de bâton inversé avec le roi d'épée pour conclure. Donc, 3 de bâton qui arrive à l'envers. Ici, nous parle d'un refus d'évoluer. On me dit ici que Marouane, en fait, a des obstacles dans ses projets. Quelqu'un semble le contrarier dans ses projets et avoir intentionnellement agi par rapport à ce qu'il savait bien faire dans la série. Il y a des gens qui semblent être heureux visiblement de son départ. Hein. D'ailleurs, c'est complété par le roi d'épée qui est une personne d'autorité. On me parle vraiment pour moi d'une décision stratégique et d'impartialité. Donc je pense que nous allons avoir rapidement des nouvelles de Marouane et savoir en fait qu'il y a des personnes qui sont vraiment liées à lui. Hein. Voilà ce que je pouvais vous apporter comme information par rapport à ce sujet. J'espère que celui-ci aura retenu votre attention, qu'il vous aura intéressé. Merci par avance de bien vouloir et bien vous abonner pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait. C'est gratuit, ça prend une petite seconde et pour moi ça fait vraiment la différence. Et puis n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce résultat de tirage, si celui-ci correspond avec ce que vous avez pu imaginer. N'hésitez pas également à continuer à me proposer des sujets qui vous passionnent, car au maximum, comme toujours, j'essaierai de pouvoir y répondre dans les meilleurs délais. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une excellente journée de dimanche. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.